Bon, ça commence à s'arranger petit à petit pour Kanye West. Spotify ne va pas supprimer ses musiques. Il est de retour sur Instagram, mais il y a toujours les marques qui le boycottent. Et il y a un rappeur que vous connaissez bien. Bon, je pense que tu l'as deviné grâce au titre de la vidéo. 6ix9ine a défendu Kanye West dans une interview. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Il y aura bien évidemment d'autres news, même des news FR sur Kobalade par exemple. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Avant de commencer, pour les personnes qui veulent être drippées, il y a We Are Chain Nation qui est là pour te faire briller. Des chaînes, bracelets, montres, pendentifs, de l'or jusqu'aux Viviz. T'as la possibilité de payer en plusieurs fois avec PayPal ou Klarna, alors fonce si c'est le succès que tu vises. Profitez-en parce qu'en ce moment, il y a une très bonne offre. Si tu achètes un produit, tu auras forcément un produit offert avec le code BOGO. Les joues sont bien évidemment garanties et comme tu peux le voir, les avis des clients sont excellents. Pour ce qui est de la livraison, elle est rapide et gratuite et ils livrent même à l'étranger. Alors la première news de cette vidéo est sur Jaden Myrick. Il a été déclaré coupable de meurtre, braquage à main armée et 14 autres charges. Il fait partie de YSL, il a été inculpé avec la loi RICO. Il a admis avoir menacé et intimidé plusieurs témoins. Et ce n'est pas fini. Il a déclaré qu'il faisait partie de 4PF et que Lil Baby était le boss de l'organisation. Il y aura une grosse collaboration entre les deux artistes, Kobalade et AD1. Le clip a été tourné hier soir à Londres. Baby Kim a sorti la version luxe de l'album de Melodic Blue. Maintenant, venons aux news principales sur Kanye West et 6ix9ine. On va commencer par Kanye. Selon une source anonyme citée par la chaîne de télévision américaine CNN, Kanye serait fasciné depuis longtemps par Adolphe. Vous connaissez la suite, c'est un mot que je ne peux pas dire. Et la culture Zina, à tel point qu'il aurait envisagé de donner le nom d'Adolphe à son album de 2018, celui qui s'appelle Yi. La source anonyme dit mot pour mot, il aurait fait l'éloge d'Adolphe en insistant sur le fait qu'il était incroyable d'avoir pu accumuler et voulait parler toutes les grandes choses que lui et le parti Zina ont accomplies pour le peuple allemand. Cette source a aussi précisé que Kanye parlait ouvertement de son admiration pour l'utilisation de la propagande par Adolphe, après avoir lu son manifeste Zina, Main, tu connais la suite, qui est sorti en 1925. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, 6ix9ine a défendu Kanye. Je pense que faire. Comme je vous l'ai dit, Kanye est de retour sur Instagram et il a tenu à s'exprimer envers Harry Emmanuel. Harry Emmanuel, j'ai perdu 2 milliards de dollars en une journée et je suis toujours en vie. C'est un discours d'amour. Je t'aime encore. Dieu vous aime toujours, l'argent n'est pas qui je suis, le peuple est qui je suis. Vous savez que Kanye West vient de Chicago, eh bien on vient d'apprendre que des habitants de Chicago ont effacé une fresque qui rendait hommage à Kanye West. Durant ces dernières 24 heures, 9 paires sur 10 des paires les plus vendues sur le site StockX étaient les Yeezy de Kanye West. Et la dernière news de cette vidéo est sur PLK qui vient d'être condamné à 1 an de prison à domicile sous surveillance électronique. C'est par rapport à la bagarre qui a eu lieu en juillet dernier. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur PLK, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présenté dans cette vidéo, les news principales, surtout sur Kanye West, 6ix9ine, qui l'a défendu. Est-ce que vous êtes d'accord avec 6ix9ine? Qu'est-ce que vous en pensez de ce que cette source anonyme a dit? Attention, c'est une source anonyme qui a dit ça sur CNN. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Attention. Bref, sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement, les gars, pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.